Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel comment trouver un logement en région centre quand on est étudiant, apprenti ou lycéen et qu'on a besoin d'un logement pour poursuivre ses études. Alors il y a une nouvelle application là qui vient de sortir. L'URL est un peu compliquée donc je la copie ici. C'est http://ilogement.regioncentre.fr. Donc on envoie l'application. Ça rame un petit peu ici, là, aujourd'hui. Voilà, on arrive sur le site e-logement. Et là, après, c'est assez simple. On a ici un formulaire dans lequel on tape l'endroit où on cherche le logement. Moi, pour ce qui me concerne, c'était à Tours. Donc, Tours. Et on envoie « Rechercher ». Ouais, ça rame aujourd'hui. Donc, voilà. Là, en fait, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que ce site-là, il est construit sur un principe de géolocalisation. Donc, on peut chercher à Tours ou dans ses environs. Et là, en fait, on sélectionne par profil. Donc, moi, je suis un homme. Voilà, c'est pour les logements qui sont dédiés et qui ne sont pas mixtes. Je suis majeur, donc ça va. Et je suis étudiant. OK ? Le type de logement ici à droite, donc si on cherche une chambre individuelle, partagée, un studio, moi je cherche une chambre individuelle et c'était pour plusieurs semaines de stage, donc j'ai marqué à la semaine. Voilà. Ensuite j'ai un certain nombre de propositions sur l'écran, on peut zoomer, problème de, voilà, hop, voir la fiche. OK. Donc là, on voit qu'on est à Tours, résidence des Fontaines, et on peut cliquer dessus. Donc à ce moment-là, on atterrit sur le descriptif du logement, et on peut faire une demande d'hébergement en direct ou appeler. Donc, il nous donne le numéro de téléphone ou le mail, le contact, ou alors on peut faire une demande via un formulaire. Voilà, c'est tout simple. Je pense que c'est un truc qui peut être très utile à tout le monde. Bon, à plus tard.